Oh non. Tu me laisses passer devant et tu ne me lâches pas. Ok, je te suis. Ok, vas-y, saute. Tu vas me rattraper? Je suis là. J'ai même pas besoin de moi. Je suis en forme, ce truc. Les mains en l'air! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air! Bienvenue chez les Lucioles. Désolée pour... Ils ne te connaissaient pas.
Et Ellie ? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait ? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper de... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi ? Quelle opération ? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire jusqu'à... Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça ? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joël. Debout. J'ai dit debout. Allez, avance. Avance, j'ai dit. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté ? Ou avance. J'ai dit avance. Où est la salle d'opération ? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est ? Où ? Tout au fond. Dernier étage. Le passeur, il est là! Ah!
Couvre-moi. J'y vais. Le laisse pas filer. Il est là-bas. Attention! Avril. Marlène avait raison. Je n'avais encore jamais vu ce type d'infection. La cause de l'immunité de la fille reste incertaine. Comme observé dans tous les cas précédents, les titres antigéniques du cordyceps restent élevés dans le sérum et le liquide cérébrospinal. En laboratoire, les échantillons de sang de la patiente développent rapidement le cordyceps en milieu fongique. La différence, c'est que les globules blancs, aussi bien en pourcentage qu'en valeur absolue, restent à un niveau normal. On n'a constaté aucune augmentation de cytokines pro-inflammatoires, et l'IRM cérébral n'a décelé aucun signe de contamination fongique dans le système limbique, qui accompagne d'habitude le prodrome d'agressivité chez les patients infectés. On doit trouver un moyen de reproduire cet état en laboratoire. On est sur le point de faire une découverte aussi cruciale que la pénicilline pour l'humanité. Après des années à tourner en rond, on va enfin pouvoir faire la différence et permettre à l'homme de redevenir maître de son destin. Tous nos sacrifices et toutes ces centaines de vies perdues pour cette cause n'auront pas été vains. 28 avril. Marlène avait raison. Je n'avais encore jamais vu ce type d'infection.
cochon. Il faut à tout prix l'empêcher de passer. Ouais, c'est ça. Allez! J'arrive, Ellie. J'y vais! Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. Pensez aux vies qu'on va sauver. Ne vous approchez. Espèce de monstre. Carrie, tu vas la fermer. Reculez, j'ai dit!
Stop! Tu ne peux pas la sauver. Tu la fais sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Ok. On dirait qu'on va devoir marcher. Ça devrait être direct par là. Ouais. C'est plutôt joli, non? Ouais. Attention à ta tête en passant. Là, c'est bon. Là, je sens que je suis plus tout jeune. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse, j'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendus, toutes les deux. Je pense que tu l'aurais bien aimé. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord.
Regarde en bas. On est presque arrivé. On n'est plus très loin. Donne-moi la main. Allez, viens. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors, elle m'a dit, on n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Elle est... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure.